Le temps passe mais la douleur reste. Sur Instagram, Vanessa Demouy partage régulièrement des photos de son quotidien et dévoile ses états d'âme. Chaque année, la comédienne a une pensée émue pour son ami Christophe Milan, décédé le 10 août 2016. À l'occasion du 5e anniversaire de la mort de ce dernier, Vanessa Demouy a partagé un texte bouleversant sur son compte Instagram. Christophe. Les années passent. Le manque lui reste. Je m'accroche à nos souvenirs qui rejaillissent sans crier égard, au détour d'une rue, au milieu d'une exposition ou lorsque je sens ton parfum dans la foule, a-t-elle d'abord écrit. Toujours très affectée par la disparition de son ami, la star d'ici tout commence à dévoiler, tes rires me manquent, ta bienveillance, ta douceur et tes conseils avisés aussi. Je rêve d'entendre de nouveau prononcer le surnom dont tu m'avais affublé, tu étais le seul à pouvoir m'appeler comme ça. Je sais que de là-haut tu veilles, j'espère que tu es fier. Je t'aime. Face à ce vibrant hommage, une amie de Vanessa Demouy lui a écrit, de là-haut il voit, il sait, il veille. Et surtout il doit être tellement fier de toi. Comme tu m'aimes parlait encore hier s'il était encore là, tellement de choses auraient été différentes. Il nous manque à tous. De leur côté, les fans de la comédienne ont également souhaité remonter le moral de leur star préférée. Il faut te dire que lorsque qu'on a aimé une personne que celle-ci n'est jamais loin. Pour moi le cimetière des morts restera le cœur des vivants. Il est toujours niché au fond de toi. Le manque est long, mais nous devons rester forts pour ceux que nous aimons. Très joli message, il doit être si fier de vous Vanessa. Peut-on lire dans la section des commentaires. Qui était Christophe Milan. L'année dernière, Vanessa Demouy avait déjà partagé un magnifique texte afin de rendre hommage à son ami. 10 août. Terrible 10 août. Le temps passe mais le manque de toi à lui est toujours aussi présent. Ce soir encore je regarderai vers le ciel pour te chercher du regard. Je t'aime mon Christophe, avait-elle écrit. Ami des stars, Christophe Milan était à la tête d'une entreprise de communication et s'était fait un nom au Crazy Horse en étant son manager des relations publiques pendant près de 10 ans.